suis pas un putain moniteur de scouting. Je suis caporal chef à la Légion étrangère. On est à la Légion étrangère. Je donne les ordres. Vous êtes militaire et vous exécutez. Je suis ici et je ne laisse pas partir au régiment là-bas où il y a mes frères d'armes qui sont en action. Quelqu'un qui n'a rien à foutre de la Légion et de la France. Vous allez voir vite fait comment je vais trouver les spécialistes. Dalmatis! Présent, caporal chef. Danietz! Présent, caporal chef. Horn! Présent, caporal chef. Lim! Présent, caporal chef. Tous les matelas, il me faut poser et toutes les couvertures, vous me repliez correctement avec les soins. Et en avant, bougez, 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 bougez. Maintenant, vous allez courir. Je vous disais déjà. Allez! Allez, 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 allez! Chef de chambre! Voilà, regarde ici la trace de cirage. Allez, allez, active-toi, putain, parce que toi, tu es en train d'occuper tes putains affaires. Et ces sont tes hommes, allez! Ok. Hey! When you have nothing to do, instruction room and sit down. It's a big problem for you not to speak French now. Yes, it's a very big problem because I'm always confused, I don't understand anything, and I need to start speaking French as soon as possible. It's a dream to become a legionnaire? Yeah, it is. Why? I get to do something with my life, help people out, instead of just wasting a lot of time doing nothing. Yeah. You are ready now to die for Legion or for French? Yeah, I'm ready to die for France because, I mean, it's my fault that I caused so much problems in America for myself, but nobody else wanted to give me a second chance, and right now I have an opportunity, and I feel like I owe that much to France. If France lets me become a soldier in France, then I'm ready to repay back France by doing whatever I gotta do. La Légion étrangère a été créée il y a presque deux siècles. La mémoire, la tradition, le rituel. Les nouveaux vont recevoir leur lettre d'engagement dans le musée d'Aubagne. Deuxième section, rassemblée pour la mise des contrats au complet. À vos ordres, voltant ! Section repos ! Engage volontaire Lim ! Prenez, mordez, là ! Engage volontaire, Jekov. Engage volontaire, Vafena. Présent, mon lieutenant. Écoutez-moi. Vous pouvez devenir légionnaire. Légionnaire n'est pas stupide. Légionnaire intelligent. Deux. Légionnaire, il est physique. Il est physique, il court, il fait les tractions, il monte la corde, il est fort. Légionnaire, il est fort. 3. Légionnaire est un bon camarade. Bon camarade. Ici, on se souvient des légionnaires morts au combat. 36 000 morts depuis sa création, en 1831. En 181 ans d'existence, la Légion a été de toutes les guerres. Quelques-unes des plus grandes batailles, Sébastopol, Narvik, Dien Bien Phu, Colvézi. En 1863, au Mexique, lors du siège de Cameroun, 65 légionnaires affrontent 2000 soldats mexicains. Les 5 derniers légionnaires valides acceptent de se rendre à la condition de pouvoir soigner leurs blessés et de conserver leurs armes. La légende était née. La Légion n'abandonne jamais les siens. Cette troupe d'élite, forte de 7600 hommes, est capable d'intervenir à tout moment dans les points chauds de la planète. Il y a eu le Tchad, le Liban, la Yougoslavie et à partir de 2001, l'Afghanistan. 2, 3, 4, 5... Les candidats légionnaires qui avaient été sélectionnés à Aubagne sont arrivés à côté de Castelnaudary. Parmi eux, Lim. 2,
Dans ce centre de formation, la sélection va continuer. Vous avez choisi de venir à la Légion étrangère. Je vous félicite. C'est un choix d'homme. Vous commencez aujourd'hui l'instruction qui durera 4 mois et qui fera de vous des légionnaires. Le légionnaire est un soldat d'élite. Pour le former et l'instruire, il faut du temps et beaucoup de travail. Pour l'instant, très peu sont capables de comprendre des ordres en français. Chine, States of America, Bulgarie, Kenya, Roumanie, Ukraine, Brésil, Suède, Mongolie, Finlande, Allemagne, Espagne, Croatie, Vanuatu, Russie, Pologne, Maroc, Iran, Madagascar. Première mise à l'épreuve, leur endurance. Faut être un peu dur. De soi-même et avec tout le monde aussi. Et là, ici, à Légion, il n'y a pas de pitié. On ne peut pas rester mou, faible ou montrer ses faiblesses à les autres. Il faut être dur. Il faut passer parfois par soi-même et cracher le sang pour être bon, les gens. C'est l'encadrement qui est là pour recadrer ces jeunes-là, pour qu'ils se mettent bien dans l'ambiance. Et s'ils n'ont pas suffisamment de mental, et ben on va les aider à se pousser, à aller plus loin. C'est ça qui est important, aller plus loin, toujours plus loin. Ça c'est l'avenir de la Légion étrangère. Hein. C'est pas les touristes ici en vacances. En haut, on va faire les demi-tours, on va récupérer. Ouais, serré ! Accroche ! Mets-toi dans ma foulée, on y va ! On n'accélère pas, on garde la cadence. Hé hey, Curon, arrête, faire ta victime. Ah, pour manger, y a pas de souci, hein. Ferme ta gueule. À la fin de leur formation, dans 4 mois, pour devenir légionnaire, il faudra qu'ils connaissent au moins 500 mots de français. G H I R R. Ok. Deviser. Deviser. Ne sont pas. Deviser. Ne sont pas alignés. Oh, en bas. Oh, en bas. Pendant 5 semaines, ils vont vivre en autarcie dans cette ferme, sans aucun contact avec l'extérieur. Une seule préoccupation, devenir des guerriers. Vous avez 20 ans là. L'autre main, top. Les mains comme ça. Dépêchez-vous. Allez, rapidement. Allez, cessez. Sélection naturelle, il n'y a pas de place pour les faibles, compris? Je t'y arrive pas, je t'y arrive pas. Touche tout, putain. Découpier. Lancer. Grenade. Ah là, c'est bien. Pousse. Allez, pousse, 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 pousse. Après 15 jours d'épreuve, Lim suit le rythme, mais il a quelques soucis avec ses mains. Quelques soucis aussi avec le français. Donc aujourd'hui, épicé, tu as arraché ça. Ok. Bon, c'est bon, c'est pas grand-chose, non? Sur quel obstacle tu as eu ce problème-là? Tu as fait quoi? Romping ou... Où tu as arraché ça? En bas... Ah, oh. Dessus, dessous? Oui. Oui, sergent. Et avant, Lim, tu n'étais jamais dans l'armée, non? Pardon, je n'ai pas compris. Tu n'as pas compris? Je n'ai pas compris parler. Ça fait mal? Petit. Petit? Si tu vas travailler aujourd'hui après-midi, tu mets les gants. Ok, tu peux disposer. J'ai pas disposé, officer sergent. Vafaina est malgache, il a 20 ans, et comme les autres, il apprend une des premières règles de la Légion, la solidarité. Il faut que ce soit rangé comment, ça? Il faut que c'est la garde de ce côté, il n'y a rien qui dépasse de là.
Tout le monde a peur là parce que après s'il y a pour quelqu'un qui n'est pas bien, tout le monde prend la douche froide dehors et donc on est un peu stressé là. Vous êtes content d'être là vous ? Ouais. Pourquoi ? J'aime beaucoup la religion et comme on m'a fait raconter depuis, j'aimerais bien que moi aussi je fasse partie. C'est un parcours difficile. Ouais, c'est un peu difficile, mais tout le monde a passé là, donc il faut qu'on passe aussi pour être un légionnaire. Vraiment, tout ça doit être bien rangé, tout ça doit être le même. Faut que ça soit carré, quoi. Bien rangé. Ah, toujours pas moi. Le sergent-chef chargé de cet apprentissage s'appelle Cho. Ils ont mal plié, d'accord, c'est pas pareil. Tatou, car bien aligné. Ça pue. Allez, rassemblons en section en bas. Effectivement, la sanction n'attend pas. Pour arranger quelques chaussettes, quelques t-shirts, quelques pantalons et quelques vestes. Le résultat, c'est pas bien, d'accord? Oui, sir. En position, en position, en position. Action, là. En haut, en bas. En haut, en bas. En haut, en bas, en bas, en bas. En haut, fatigué? Non, chef. En bas. En haut, en bas. En haut. Oui. À la fin de la deuxième semaine, petit coup de blues pour un candidat biélorusse voilà. Qui souhaite partir. On a un jour sur Castro, au moment de servir de jeune compagnie. Donne le contrat d'engagement. Voilà. Ok, contrat d'engagement. T'as pas trouvé ce que tu voulais chercher, c'est normal, on n'a rien fait encore. D'accord ? Donc tu vas trouver, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. En attendant, tu as signé un contrat de 5 ans. Donc, comme tu es un mec d'honneur, tu n'es pas un gamin, tu as 28 ans. Tu as un passé militaire, donc la vie militaire, tu l'as déjà touché du doigt. Et pour moi, tu es engagé pour faire une carrière militaire. Donc, tu es un mec sensé, les deux pieds sur terre. Et t'inquiète pas, ce que tu es venu chercher, tu vas le trouver, on va te le donner. Il n'y a pas de souci. De toute façon, il n'y a personne qui part avant la fin de l'instruction. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il est venu, il s'est engagé, donc c'est un volontaire, il fait comme tout le monde, il suit l'instruction correctement. Ça va lui laisser le temps largement de se faire une idée de ce qu'il attend après. Prends ton contrat et tu peux disposer. Prends ton contrat. C'est à toi ça. Béret sur la tête. En fait, le candidat biélorusse peut rejoindre la vie civile quand il le veut. Le coup de blues touche plusieurs des apprentis légionnaires. Tout d'un coup, l'approche de l'hiver les inquiète. Ils ont envie de partir à cause de que le froid. Ils ont bon physique, mentalement, je sais pas. Leur physique, ils sont bons, mais ils ont envie de partir. Toi, tu manques un petit peu de mental en fait. Voilà, je manque un petit peu de mental, moi. Ça manque beaucoup de... Ça fait 2-3 jours que je pense beaucoup à partir. It's not I want to leave. I miss my family. This is hard. Mental. We must be strong. Outside it's cold, hungry. No cigarettes and I think at home it's better. Girlfriend. Sometimes I feel guilty. Because I didn't tell my family I was coming here. But I know that in, 3 weeks, I'll be able to call and be like, hey, I'm alive, so. Ce jour-là, une marche de 8 km avec des sacs de 15 kilos. Vafaina, le malgache,
n'avait jamais vu la neige. C'est pas trop compliqué de marcher comme ça dans la neige. Comme chez nous, il y a la boue. C'est un peu comme la boue. Sauf la boue, ça colle, mais ça, ça colle pas, mais ça glisse. J'ai mes gants qui sont pleins de neige là, ma main est gelée, alors qu'après on va faire des nœuds après. Je sais pas comment je vais arriver mais je vais me démerder. Allez, on va en tête. Je suis un guerrier parce que il y a beaucoup de trucs quand on va pas en civil, on essaie de résister alors que. Même la force n'est pas trop là, mais il faut qu'on résiste. Donne-toi famaze, camarade, famaze, pousse. Tiens. Pose là, les bras là-bas. Flotte-moi. Bien. Ça. Tu sais nager? Oui, ça joue. Bien. Comment ça s'endurcir les hommes là? Ah ouais, ça fait pas partie de la formation. Hein. Sans formation. C'est une formation qui est dure? Non, c'est plus mental que physique. Il y a quelques-uns qui tiennent bien, il y a des autres qui. Mais c'est tout, qu'est-ce que ça compte beaucoup, c'est la volonté. C'est le froid, puis la fatigue un peu aussi, qui commence à faire. Puis moralement, bah, quand on s'éloigne des amis, de la famille quand même, bah, au bout d'un moment, on y pense, on voudrait passer un coup de fil, mais bon, on attend. Dans la Légion, il y a des choses que vous n'avez pas le droit de faire. Ouais. Quoi, par exemple? Bah, comme quand on s'engage, on n'a pas le droit de se marier avant 5 ans, pas de voiture pendant 5 ans, téléphone portable juste à la fin de l'instruction, c'est... Puis chaque truc qu'on veut faire, il faut qu'on demande l'autorisation à nos chefs ou au-dessus de nous, quoi, au capitaine. Mais bon, voilà. C'est un petit peu pesant parfois. Bon, pour l'instant, non, on n'a pas eu l'occasion de tester encore, mais bon, c'est tout. Tout bien, on savait les conditions avant de rentrer à la Légion. Hey, descends ici. La ferme, c'est un peu retour dans la vie avant, pour nous enlever notre vie civile. Comme ça, tu pourras te démerder dans des endroits où tu te trouveras en difficulté, tout ça, tu pourras te démerder à chaque fois. C'est ça. Dans la vie civile, tu as l'habitude de manger à chaque fois, tout. Et dans la ferme, il n'y aura pas ça, il n'y a pas des chocolats, tout ça, le coca. Si un jour tu partiras en guerre, il n'y aura pas ça pendant les coups de feu. Vous êtes prêt à risquer votre vie pour la Légion? Ouais, comme moi, je sais pas. Hein? Ouais. Pourquoi alors? Parce que je me suis engagé, je veux changer de vie. J'ai déjà réglé ma tête. Quoi qu'il se passe, je résisterai. Pour les berges en la pleine, pour les berges.
pour ce soir, c'est leur premier cadeau de Noël. C'est nous, sa képi, parce que bientôt ils vont recevoir leur képi blanc, évidemment. Et c'est une lampe, parce qu'il faut toujours savoir où on va maintenant qu'on est dans la Légion. Cool, là, t'es plus bon que moi, toi. Joyeux Noël à toi. Bon, Vafana, joyeux Noël à toi. Joyeux Noël. Réveillez-vous les garçons, c'est pas fini, c'est pas parce qu'il neige hein, que c'est la fin du monde. C'est que c'est encore un repos. Deuxième section comment ? Gao ! Repos ! Gao ! Bon ! Hey, les gars ! Vous allez arrêter de nous casser les pieds avec vos histoires de relationnels, là, tous les deux, là. Les deux nénés, les deux champions du monde. Les boxeurs, venez ici, là. Alors toi, t'es même pas foutu d'être en tenue, là. C'est grave, voilà. Alors ici, on a quoi ? Deux champions du monde ! Voilà, deux abrutis ! Voilà, qui n'ont pas compris. Qu'on n'a pas compris que s'ils se tapent sur la gueule, et ben ils tapent pas sur l'ennemi. Voilà, donc ça, je veux plus voir ça à la section. Lim, récite-moi le code d'honneur. Légionnaire, tu es un volontaire servant la France avec honneur et fidélité. Chaque légionnaire est un fait d'armes. Stop, répète. Chaque légionnaire est un fait d'armes. T'as compris? Oui, mon général. Feld. Légionnaire est un fait. Légionnaire, tu es un volontaire, servant la France avec honneur et fidélité. Ouais. Chaque légionnaire est un fait d'armes. Répète. Chaque légionnaire est un fait d'armes. Répète. Chaque légionnaire est un fait d'armes. Tout le monde a compris? Oui, mon général. Ok, bah maintenant on va les attacher tous les deux comme deux frères. Hein? Voilà, et ça durera le temps qu'il faut jusqu'à temps que vous ayez compris. Espèce de crétin là. Allez, vous allez voir le chef, va s'occuper de vous là. Vous allez voir le chef tout de suite. Viens ici. Je suis en train de crever là. Hop. Tiens ça. Vous allez apprendre à vous aimer. Ça sera plus constructif que de se cartonner la bouche, t'as compris? Oui, mon Edward. Et toi? Hein? Oui, mon Edward. Lâche. Et une altercation entre les deux là ce matin. Voilà. Moi, la raison, je la connais pas, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils aient bien compris que on est là, on va tous dans la même direction. Si pour eux, c'est pas clair, eh ben, à l'issue de la punition, ça va le devenir. Voilà, allez. Et c'est parti, c'est parti. Allez, du rythme, du rythme. Hop. Ah, il mouche, faut m'occuper tout le monde. Les mecs, ils vont pas rester asséchés comme ça debout. Hein. Voilà. Ah, les deux là, tu leur donnes une mission particulière et tu mets un caporal avec. Manrique, tu remplaces Saliban, mission pour toi, surveiller les deux binômes qui sont attachés. Eux, ils déneigent l'escalier. Tu restes avec eux. C'est la Légion, il n'y a pas de bagarre, c'est ami Courva, lui c'est ami. Compris, gringo? Et en avant là, pourquoi vous arrêtez là? Qui a dit s'arrêter? En avant. À genoux à terre, Courva. Et la fin là-bas. C'est pas un peu une brimade? Pas du tout. Et une brimade, on leur a pas mis un boulet au pied, on les a pas habillés en tenue de tolard. Voilà. Juste qu'ils comprennent bien qu'on est là pour aller tous dans la même direction. Même si on a des différents, bah on met les petits plats dans les grands et puis on remplit la mission. On peut pas non plus forcément s'entendre avec tout le monde. Mais il y a des façons de régler les problèmes. Voilà. Bon, on sait bien que le légionnaire est un peu bagarreur, ben, ça c'est son état d'esprit. Mais il faut pas se tromper d'objectif. Est-ce que t'as compris? Oui, non, caporal chef. Voilà, récupère deux sauts et en avant. Et arrête de jouer au malin parce que je... Qu'est-ce qui se passe? Hein? Ah.
Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Qu'est-ce qui se passe? I can't feel my hands. Qu'est-ce qu'il y a, Romanu? I can't feel my hands. Hein? I can't feel my hands. Ça fait mal. Viens, Romanu. Viens, Romanu. Vas-y. Tu peux marcher. Allez, de pleurer, là. Hein? Viens. Oh. Viens ici, viens ici. Il a mangé ce matin, c'est qui qui a pour le deux jours? Moi, je porte, problème respire. Very hot, very hot, very, very hot, hot, hot. Assieds-toi. Never problem before. Ouais, c'est bon. C'est bon, calme-toi. Arrête de pleurer. Hein? C'est pas un problème. Calme-toi. Hein? I feel like putting someone hot water on my hands non-stop. Now I have enough hot water on my hands, like and the pain is going through my hands, going up, and I'm really difficult, really, really difficult. I never had that before. I see dark. Okay. Stay like this. D'accord. C'est bon, c'est pas grave, c'est pas grave, d'accord? C'est pas grave. Ouvre tes jeux. Ouvre. Romanu. Voilà, ouvre tes jeux. Regarde-moi. C'est pas grave, hein? Mais dis ça, il va te donner médicaments. Après, tu vas faire la marche qui est plus là. Hein? Oui, qui est plus là. Voilà, c'est bien. PLS, inconscient à l'ordinaire. Comment? Churon. Ouais. PLS, inconscient à l'ordinaire. Ok, tu restes ici tranquille. Tu montes là-haut. Comme ça, tu es confortable? Hein? Ah oui, chef. Ouvre tes jeux. Hein? Non, les jeux, là. Ferme pas les jeux, d'accord? Reste comme ça. T'as froid? T'as mangé ce matin? Voilà. Tu peux marcher? Marcher. Non. Non, tu sens les jambes? Tu sens? Là. Mal? Mal, d'accord. C'est bon. D'accord. Doucement. Voilà. Si vous voyez les camarades qui vont pas bien, vous dites caporal chef, caporal, camarade, comme ci, comme ça. Compris? Faut pas laisser les camarades ouche et après c'est trop tard. Compris ça? Compris ça? Oui, caporal chef! Non, c'est fini, les mentalités civiles, on a fait un coup des réglages et en avant, die. C'est comme ça les gars, ok? Je vous l'ai dit, la vie, c'est pas facile. Vous avez choisi un très beau métier, mais c'est très difficile aussi. Ben, il faut continuer, les gars. Vous verrez plus tard, vous ne regretterez pas. Ok? De toute façon, dans la vie, il ne faut avoir aucun regret, les gars. Il ne faut jamais rien regretter. Il faut vivre à 200 à l'heure, à 200 poissons. Tu me dis quand c'est bon. Hein. Là, il peut pas manger tout seul, donc il faut l'aider. Je suis content de le faire. C'est comme si c'était mon devoir de le faire. Hein. Ça, par contre,
Il a mal aux mains, mais il mange toujours autant. Oh non. Oh. Ah. Un. Deux. Trois. Quatre. Un. Deux. Allez, allez, ça avance bien là, continuez. I feel good, it's only my hands. I got back those two fingers a little bit. I hope they're gonna help me in hospital, so. The chef said they got stuff to help me in very short time. I believe this is gonna use some electricity for my fingers to wake up nerves. I'm always ready. The Lieutenant Chef, they bought me the guns to protect me from the freezing. So, very good. Pas trop en forme, mais je vais arriver. Il faut serrer les dents, avancer jusqu'à la fin. Je vous rappelle l'importance de la marche képi blanc. Celui qui n'arrive pas à la fin de la marche, il n'a pas son képi blanc. Dans les groupes, il y en a qui sont plus ou moins en forme, et ben il faut les aider. Donc je compte sur vous pour que ça se passe bien et que tout le monde arrive au bout. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe? Je... Allez, on avance là-bas, juste au... Allez. Allez, pose ton sac. Tu peux marcher ou tu peux pas marcher? C'est ton sac. Non, pas. Pour respirer. Calme-toi. Les nez bouchés ou quoi? Les nez, ça marche plus capable. Mais le poids. Ah, partager son sac là, il vient derrière moi. Et moi, je vais avancer, comme pour tout le monde, t'as compris? Oui, toi, t'es avec ton arme, on avance, camarade. Hein? Oui, c'est ça. Allez, donne-lui son arme, là. Allez, à moi ton arme. Il n'y a personne qui va te porter ici, Vafane, t'as compris? Oui, sergent. Il n'y a personne qui va te porter, camarade. Hein? Si t'es pas capable de porter ton sac, ton arme, camarade, t'as rien à faire ici. Oui, sergent. Hein? On ne va pas te porter. Pense pas qu'on va te porter 60 km, camarade. Si tu veux un capi, tu vas marcher 60 km. Il n'y a personne qui va te porter. Oui, si t'es pas capable de porter ton sac, Non ton arme, tu vas voir là. Allez! C'est bon, camarade. Arrête de te psychoter là. Toi, tu lèves ta tête, t'as des couilles, t'as un homme, tu marches. Hein?
lève la tête, on y va, avancez, hein, avant, avant, on va avancer. Stop. Cours pas, camarade. Marche. Sinon, dans quelques minutes, on va devoir porter ton sac aussi. Allez, changement le sac là, en avant là. Tu peux marcher comme ça à 60 km hein? Oui, sergent. Tu peux ou tu peux pas marcher? Je peux marcher comme ça. Tu veux marcher comme ça à 60 km Je vais. Hein? Je vais, sergent. Allez, mettez-vous en colonne là. Cerquez vers l'avant, en avant. Allez, camarades, on y va, on y va, on y va, on y va. Allez, on arrive. Allez, à droite, droite. Respire, 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 bouvine. Hein? Respire, hein? Hey, hey, écoute, t'es arrivé jusqu'ici, ben, c'est bien. Respire, respire. C'est bien, déjà, elle est arrivée jusqu'ici, c'est très bien. On va faire le possible pour l'amener jusqu'au bout. Donne un coup de main lui, là, mettre son FAMAS. Et va faire un devant. Va faire un. Mets ta bégué. Bégué sur la tête. Avancez. Ok, stop. Allez, laissez. Allez, donne un coup de main là, de Lazaro. Changez le sac. C'est bon? Non, c'est ça. Réveille et regarde-moi. Ah, qu'est-ce que tu sens? Hein? Un problème. Ici, je vois tout comme ça. Tout. L'embarcation. Allez, on embarque. Viens, on embarque. Allez, on embarque. Misa, allez, viens avec les sacs. Récupère les sacs, on y va, on va l'embarquer. Fini pour lui, là. Allez, on va embarquer, on va. Il va nous rejoindre le pont de ravitaillement, là-bas, on va voir comment ça se passe. Il n'est pas en état de machine. Allez, monte. Attention, FAMAS, mets FAMAS devant. Allez, montez. Symbole du soldat d'élite, le képi blanc vous lie à la famille de la Grande Légion étrangère qui a perdu 36 000 de ses hommes depuis sa création en 1831. Le képi blanc représente votre serment de servir avec honneur et fidélité et de toujours respecter le code du légionnaire. Engagé de la deuxième section du lieutenant Lescope. Coiffez vos képis blancs. Légion, Légion, Nostra. Légionnaire, tout est en volonté, servant la France avec honneur et fidélité. Chaque légionnaire est ton fédant, quel que soit sa nationalité, sa race, sa religion. La solidarité étroite qui doit unir les membres d'une même famille. Respectez des traditions. Attachez, attachez la discipline et la camaraderie sont la force, le courage et la vérité des vertus. Fiers
mission est sacrée. Tout l'exécute jusqu'au bout. Et s'il est fort, en opération, au péril de ta vie. Au combat. Tout agit, sois patient et sans haine. Tout respect, les ennemis vaincus. Tout n'abandonne jamais, ni des morts, ni des blessés, ni des armes. Tu restes à la Légion étrangère. Tu restes dans ta famille, dans ta compagnie. Qu'est-ce que je t'ai dit à Noël ? On est tous dans la même famille. On est tous dans la même famille, d'accord ? Donc oui. Tu restes dans ta famille. Le képi blanc, c'est un passage. Tu l'auras dans 10 jours, quand tu auras réussi tout ce qu'on t'a demandé de faire. Tu as bien compris ? Oui, mon gars. Est-ce que tu as des questions à me poser ? Oui, dans 10 jours, je vais faire la marche et j'aurai mon képi blanc. Dans 10 jours, tu vas faire la marche et tu auras ton képi blanc, d'accord ? Oui, mon capitaine.